Donc, j'accueille physiquement les clients et je les oriente donc vers les réceptionnaires. En général, ce sont des personnes qui ont rendez-vous. Autrement, ça peut être des personnes qui viennent aussi rechercher des renseignements, tout simplement. Par ailleurs, je suis aussi chargée de la gestion d'un parc de location de véhicules. Donc, on prête en fait des véhicules à nos clients qui amènent leur véhicule en réparation. Et donc, je suis chargée de la gestion de ce parc, hein, qui est à peu près, on a une petite vingtaine de voitures en prêt. Voilà, donc il faut faire des contrats de prêt et donner aux clients, les présenter et les donner aux clients. Voilà. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors, je suis ici depuis près de 7 ans. Voilà, donc j'ai commencé ici sur un poste qui était plus de standardiste. Et je suis sur ce poste-ci depuis juillet 2015. Donc c'est tout neuf pour moi, mais bon, ça reste. J'étais juste à côté avant, donc sur le même site. Donc c'est juste mon poste qui a évolué. Donc je fais plus de choses maintenant. C'est un petit peu différent. Je suis vraiment sur la part accueil et après-vente. Avez-vous exercé d'autres métiers avant? Oui. Bon, j'étais une petite dizaine d'années dans l'enseignement, non rien à voir. Et je suis revenue en fait, j'avais une formation de secrétariat à la base, donc j'étais prof en secrétariat et je suis revenue en fait à la formation que j'avais sur un poste de secrétariat et j'exerce le secrétariat et le commerce depuis du coup une dizaine d'années aussi à peu près. Les qualités nécessaires. Les qualités, le sens de l'accueil, le sourire, voilà, la patience, voilà, l'écoute, avoir une bonne compréhension aussi des demandes des clients. Donc être à l'écoute et puis ben, répondre aux demandes des clients. Voilà, et toujours rester patient et serviable, surtout, quoi. Voilà.